Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Même tenue vestimentaire que lors d'un spectacle en 2007 à New York, ce n'était pas Amy Winehouse, mais bien Émilie Fournier. Dans le cadre d'un spectacle hommage, Camille. Exactement, et je suis avec Émilie Fournier. Vous allez voir, elle ressemble un peu à Amy Winehouse. On va parler de ce spectacle hommage de cette chanteuse qui est décédée à 27 ans, beaucoup trop tôt. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Parlez-moi de ce projet, un hommage à Amy Winehouse, le spectacle de ce soir. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est un projet qui a commencé en 2012, vraiment, qui petit à petit a pris un peu d'ampleur. Maintenant, on est rendu, ce soir, ça va être notre troisième spectacle. Puis, en fait, c'était pour rendre hommage à notre idole, pour la montrer vraiment sur ses plus beaux jours, vraiment reprendre ses meilleurs succès. Il y a beaucoup de chansons qui sont connues, d'autres un peu moins. De ses deux albums, parce qu'elle est décédée tôt, donc elle a fait deux albums et deux albums qui ont vraiment connu un gros succès. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène ce soir? Bien, il va y avoir beaucoup de chansons de Frank. C'est pour ça que je dis que c'est des chansons qui sont peut-être un peu moins connues, parce qu'au Canada, on a connu beaucoup plus l'album Back to Black. Mais il va y avoir aussi des succès comme Rehab, Back to Black, justement, You Know I'm No Good. Fait qu'on fait les incontournables, ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Émilie, vous ne serez pas seule sur la scène parce que, Bruno, on entend les musiciens, vous pouvez les voir à l'œuvre. Ça ressemble drôlement aux arrangements. Vous n'êtes pas seule. Parlez-moi de la formation Addicted. On est 8 musiciens au total. En fait, il y a beaucoup de musiciens qui ont fait leurs études en musique, des études collégiales ou des études universitaires. En fait, il y a seulement moi, le guitariste et le drummer qui n'ont pas de formation en musique spécifique, là. Mais on a quand même un bon niveau, là. On est fiers de ce qu'on fait. Émilie, j'aimerais ça qu'on revienne sur votre voix. Votre voix n'est pas identique à celle d'Amy Winehouse. C'est important pour vous de vous approprier les chansons à votre façon? Oui, parce que je ne voulais pas non plus faire une imitation. Des fois, il y a des imitations qui ne sont pas tout à fait justes, puis je trouve que ça ne lui aurait pas rendu justice en quelque sorte. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des petites tournures. J'essaie de prendre un peu des mimiques, des airs, mais ce n'est pas une imitation, puis je garde ma voix. Donc, on lui rend justice comme ça. Merci beaucoup. Bon spectacle ce soir. Alors, Bruno s'est présenté au Centre d'art La Chapelle et c'est le premier spectacle de cette petite salle qui est très, très chaleureuse. Et puis, vous allez nous parler...